On voit bien qu'il faut qu'on travaille sur une politique publique générale et pas uniquement une politique publique en termes de sport, puisque les freins à la pratique sportive ne sont pas liés uniquement à l'objet sport en tant que tel. On a pu le voir notamment sur le rôle des AVS qui, elles, interviennent en journée. Et du coup, on voit bien que les créneaux de sport sont plutôt des créneaux en soirée. Donc, il y a une incapacité d'accompagnement de ces AVS pour les personnes en situation de handicap. On voit bien que ça doit être un travail commun entre le ministère des Sports, bien évidemment, mais aussi le ministère des Solidarités, le ministère des Transports ou le ministère de l'Accessibilité. L'autre préconisation aussi à laquelle on peut penser, c'est de travailler vraiment sur l'envie de la personne en situation de handicap, puisqu'on voit bien que c'est grâce à cette envie qu'on va rentrer dans une pratique sportive régulière et surtout dans une pratique sportive pérenne. Aujourd'hui, une personne en situation de handicap, elle choisit son activité physique non pas en fonction de son envie, mais en fonction du club ou de l'activité physique et sportive qui est la plus proche de chez elle. Ce qui fait qu'elle se retrouve peut-être à faire du taekwondo alors que c'était de la danse qu'elle avait envie de faire. Et donc du coup, forcément, comme il n'y avait pas d'envie au départ, la pratique sportive s'arrête et on a amené à un abandon de cette pratique sportive. Troisième préconisation, il faut que, à mon avis, on travaille aussi sur un vocabulaire commun entre le monde du sport et le monde du handicap. C'est deux mondes qui sont en train de se rencontrer étroitement, mais qui aujourd'hui ne parlent pas le même langage. Et il faut, à mon avis, qu'on travaille vraiment sur un vocabulaire commun entre ces deux mondes. Dernière préconisation, si on a une vision autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, on pense aussi qu'il faudrait travailler sur une meilleure médiatisation de ces Jeux. On voit bien qu'il y a une augmentation en termes de quantité, hein, depuis notamment les Jeux de 2012. En revanche, peut-être qu'il faudrait travailler mieux sur la qualité de la médiatisation de ces Jeux paralympiques cette fois-ci et notamment aussi rendre visible l'ensemble des athlètes paralympiques et pas uniquement les athlètes ou les performances qu'on peut comparer à celles des valides.